Michel-Ange était un sculpteur de renom. Et parmi l'un de ses voyages, l'histoire nous dit qu'il arrive dans un pays où il voyait un gros bloc de marbre. Et puis il se tourna vers ses serviteurs et il leur dit: prenez-moi cet ange et amenez-moi-le dans mon atelier. Puis les ouvriers qui étaient là ne comprenaient pas, ils disaient: il est fou, il devient fou, Michel-Ange. Puis eux, Michel-Ange, les ayant écoutés, il va leur dire ça. Il va leur dire: vous, vous voyez ce bloc d'un marbre. Moi, je sais ce que je peux faire avec. Voyez, la morale de cette histoire, c'est que Michel-Ange voyait au-delà de la matière. Savez, quand Jésus a vu Pierre pour la première fois, Jésus a dit ces mots: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Jésus a voulu mettre en évidence que Pierre était, avec ses défauts, son incapacité, sa médiocrité. Mais il dit: tu seras Pierre, mon serviteur, parce que Dieu voit au-delà.